Good afternoon, everyone, and good morning for the ones joining us from across the Atlantic. My name is Martin Kalef. I'm the director of the North Africa and Sahel Observatory at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. I'm very pleased to welcome you all to today's discussion on Morocco's regularization of cannabis production for medical and industrial uses and its anticipated impacts on the illicit cannabis economy of the country, as well as the broader region. The legislation and regularization of cannabis under different regimes around the world is accelerating and radically changing how different countries view cannabis as a substance and move to position themselves in respect to the opportunities that this shift offers. According to some estimates, legal sales of marijuana are expected to top $33 billion by the end of this year. That's a 32% increase over 2021, and sales are expected to exceed $50 billion by 2026. From the perspective of the fight against organized crime, which is basically the context of why we brought about this discussion today, that reality represents a massive opportunity. To divert a source of income away from transnational organized crime and instead put it into the legal economy and in some cases in the hands of underprivileged communities that have for years been associated with cannabis production under an illegal mantle around the globe, often because cannabis production was the only realistic livelihood and source of income available to them. Today, we have the opportunity to engage in a discussion concerning a country that not only is one of the globe's most prolific producers of cannabis, but where all of these elements that I'm discussing, the opportunities to tap the potential benefits for the country's broader economy, the potential benefits for the local economy, the local communities, come together in today's discussion centering on Morocco. These were just a few words basically to frame the discussion, which will basically see us have a panel discussion with our distinguished panelists for about 35 minutes, followed by an open Q&A, which we hope will be an engaging and open discussion. At this point, I turn the floor to Tasnim Abdelrahim, a GI Talk analyst who has herself worked extensively across the Maghreb, and who today will chair the debate and moderate the Q&A with our panel. Tasnim, over to you. Thanks. Merci Marc pour l'introduction. Donc nous avons, je vous présente nos panélistes. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir avec nous professeur Jalel Taoufir. Professeur Jalel est un professeur de psychiatrie et directeur de l'Observatoire marocain des drogues et addictions. On a avec nous aussi professeur Kenza Afsahi, qui est spécialiste de la question. Docteur Afsahi est maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Bordeaux et chercheuse au centre Émile Durkheim. Actuellement, elle coordonne un programme international de recherche sur la construction du marché du cannabis à usage thérapeutique dans trois pays, inclus le Maroc. On a avec nous aussi Dr Khaled Tinesti, qui est enseignant invité à l'Institut des hautes études internationales de développement à Genève. Il est aussi chercheur invité au International Center for Drug Policy Studies à l'Université de Shanghai. Et entre 2013 et 2021, il a été analyste politique et secrétaire général, puis directeur de la Global Commission on Drug Policy. Donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Donc, je commence avec vous, professeur Taoufir.
Comme je viens de le dire, vous êtes directeur de l'Observatoire marocain des drogues et addictions et vous avez participé et suivi de près la mise en œuvre du processus de régularisation de la production de cannabis à des fins cosmétiques, industrielles et commerciales. Est-ce que vous pouvez nous présenter très brièvement ce processus et nous dire pourquoi a-t-il été lancé en 2021? La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci aux autres panélistes de partager ce moment d'échange. Je voudrais, si vous le permettez, avant de commencer, de mettre encore une fois les choses au clair. Je ne parle pas en ma capacité de membre de l'organe international de contrôle des stupéfiants. Que ça soit redit et clair, c'est très important. La question est très intéressante parce que je pense que c'était dans le pipe pendant très longtemps. Au Maroc, des courants politiques avaient, il y a quelques années, il y a déjà presque une vingtaine d'années, des courants politiques se sont posé la question par rapport à la pertinence de pouvoir revisiter l'approche que nous avons de ce qui se passe un petit peu dans le nord du pays par rapport à la culture du cannabis. Bien sûr, vous savez très bien, il y a des agendas particuliers, il y a des orientations particulières, il y a aussi des objectifs particuliers. Mais en fait, l'essence de la problématique, c'est comment pourrons-nous extraire ces gens qui sont dans la culture illicite du cannabis de ce, justement, de ce mot illicite, et de faire en sorte à ce que leur activité redeviennent licites dans le cadre d'une reconversion de cette culture, donc comme les conventions le permettent. Donc c'était ça la grande question. La question, c'était de ne pas laisser en marge de la population tout un pan de la société qui est au nord et qui vit malheureusement dans la clandestinité et qui vit bien sûr dans une situation illégale, sinon au moins irrégulière par rapport à la loi, et qui fait que, bon, que ces gens-là, on doit penser un petit peu à les... Et puis, les choses ont fait leur chemin jusqu'au donc, 2019, 2020. Les choses se sont accélérées et on a vu donc, le gouvernement s'intéresser aux certains partis politiques, s'intéresser de façon beaucoup plus accélérée à la problématique. Et c'est là où on a vu le ministère de l'Intérieur prendre un peu le taureau par les cornes de travailler sur un projet qui est un projet de réglementation. Donc, ce n'est pas un projet de légalisation, comme beaucoup de gens le disent et le répètent, que ce soit dans les médias, que ce soit même au sein du Parlement, on a entendu le mot légalisation à plusieurs reprises. Je rappelle que le mot légalisation n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe au Maroc et que le mot légalisation renvoie à un concept onusien, dont on va parler d'ailleurs certainement tout à l'heure au cours du débat, qui est absolument différent de ce dont on est en train de parler. On est en train de parler aujourd'hui du contenu un petit peu de l'article 4 dans son paragraphe C de la Convention unique de 1961, qui permet au pays de pouvoir cultiver ou produire des substances qui sont sous contrôle international, en l'occurrence le cannabis, à des fins scientifiques et médicales. Tout ce qui est industriel et tout ce qui est, on va dire, alimentaire, on découle parfaitement. Donc, voilà un petit peu. Donc, en juin 2021, ça a été adopté. Et puis après, on vient de voir, il y a quelques semaines, un décret tombé pour dire que les premiers concernés par cette loi donc, de juin 2021 vont être les provinces du Nord de façon beaucoup plus privilégiée, on va dire, et beaucoup plus spécifique. Donc, voilà un peu le cadre dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Donc, c'est une réglementation, encore une fois, de la culture du cannabis à des fins médicales, scientifiques, industrielles et cosmétiques et alimentaires. Donc, voilà un peu mon introduction. Merci beaucoup, professeur, et merci d'avoir apporté cette clarification. Donc, je passe à une deuxième question avec Dr Khaled. Donc, en fait, la loi marocaine 1321 sur l'usage légal du cannabis à des fins cosmétiques, industrielles et commerciales a été adoptée 5 mois seulement après que la Commission des stupéfiants de l'ONU
et retirer le cannabis de sa liste des drogues les plus dangereuses. Donc, en fait, Dr Khaled, vous avez travaillé sur plusieurs enjeux liés aux drogues, notamment sur la gouvernance du secteur. Selon vous, quel est le modèle de gouvernance que le Maroc souhaite adopter? Et si vous pouvez très brièvement évoquer où se situe le modèle marocain vis-à-vis des légalisations, les réglementations existantes dans le monde? Je vous remercie Tasnim et je remercie tous les autres panélistes, professeur Kenza et professeur Toffer d'être là et l'initiative globale de mettre cette discussion sur la table qui est très importante. Je suis ravi d'être là. Donc, concernant le modèle de gouvernance de la nouvelle légalisation médicale et industrielle au Maroc, comme vient de le dire professeur Toffer, il s'agit en fait d'un modèle de gouvernance qui s'attache à deux, je dirais, qui s'attache à deux dimensions très clés, deux objectifs très clés, et puis qui marche sur deux jambes. D'un côté, c'est de s'assurer de répondre, donc, comme cela vient d'être dit, au développement socio-économique des communautés du Rif, du nord du Maroc, et puis là où il y a de la monoculture ou une culture très importante du cannabis, et puis en même temps, bien sûr, s'occuper de le plus tard, en fait plus tard et dans l'avenir, d'avoir aussi les infrastructures pour pouvoir répondre à une demande internationale ou à une demande européenne avec le développement des marchés médicaux en Europe et dans le reste du monde. Mais d'un autre côté, ça reste aussi un modèle qui s'attache beaucoup à la prohibition et à assurer qu'il y a un contrôle non seulement sur l'usage légal, mais bien sûr dans le combat de l'usage illégal qui continue, donc cela ne change rien. Du côté de la réponse au marché récréatif. Et là, il s'agit vraiment de rester en conformité avec les conventions internationales et donc de ne rien changer de ce côté-là. Donc, comme le disait le professeur juste avant moi, il ne s'agit pas de légaliser un usage récréatif, il s'agit vraiment de s'occuper de cette partie-là qui est sur le médical. Maintenant, les avantages et les inconvénients, je dirais que plutôt les avantages, on peut les voir dans la réponse directe aux besoins de communautés qui sont sur le terrain, mais aussi bien sûr aux besoins médicaux de certaines populations qui peuvent l'utiliser pour différentes conditions, etc., avec différents modes d'usage. Donc, il s'agit de répondre vraiment d'abord, au départ, aux besoins locaux de certaines communautés et puis peut-être aussi de soulager le système médical avec des traitements qui peuvent répondre donc, à certaines conditions. Et il s'agit vraiment aussi donc, que ces communautés puissent avoir un potentiel d'accès à un marché légal quelque part et un marché où elles peuvent donc, commercer sans devoir changer de culture, ce qu'on fait d'habitude avec le développement alternatif. L'inconvénient, c'est vraiment dépendra de toutes les dispositions légales qui vont suivre, donc vraiment des provisions légales qui vont suivre, quelle sera l'utilisation, etc., etc., pour savoir quelle sera la taille du marché. Ça reste très, très conceptuel. Et également, sur la question de l'export, ça reste aussi très ambitieux, alors que nous savons que les marchés internationaux de l'export sont assez limités, etc. Et donc, c'est là où c'est assez intéressant lorsqu'on parle de où est-ce que ça se place par rapport au reste du pays du monde et les expériences les plus avancées. Donc, on peut voir qu'il y a des marchés très, très matures où le cannabis médical a commencé il y a déjà très, très longtemps, il y a plus de 20 ans, presque 30 ans maintenant dans certains pays et dans certains États américains. Et on peut tout à fait voir que le marché se place plutôt du côté du marché récréatif que celui du marché médical qui reste assez limité. Donc, comme le disait Marc dans sa présentation et dans son introduction, les chiffres qu'il donnait sur le marché du cannabis, ce sont les chiffres des États-Unis et qui incluent en fait le tout, le médical et le récréatif. Mais le récréatif, même s'il est existant dans moins d'États, il reste le plus important en termes de vente. Donc, l'une des questions qui se posent, c'est la viabilité d'un marché et combien de monde il pourrait intégrer sur le terrain, combien de paysans il pourrait intégrer et quelles sont donc les filières qui s'ouvrent. Et cela, je pense qu'on va en parler plus tard pour ne pas prendre de temps, savoir quelles seront donc ces dispositions légales qui vont définir ce dont on parle et quels seront les débouchés de cette de nouvelles réglementations qui est entrée au Maroc, qui est entrée toujours pas en application, mais qui a été adoptée au Maroc l'été dernier. Je vous remercie. Ah, super, merci Khaled. Bon, effectivement, on va revenir à ce point dans un instant. Donc, je pose une question à Dr Kenza Afsahi. Donc, Dr Kenza, vous avez beaucoup travaillé sur le terrain dans la région du Rif en suivant de très près les agriculteurs, les femmes et les réseaux de l'économie du cannabis. Donc, peut-être une première réaction par rapport à ce que Dr Khaled, professeur Jalel, venait de dire. Et ensuite, une deuxième question, selon vous, quelles sont les retombées potentielles de la régularisation de la production? Est-ce qu'elle peut réduire le marché illicite du hashish? Alors, merci de votre invitation et merci également pour votre question et le plaisir que j'ai à échanger avec mes deux collègues.
Disons que les retombées, on peut les estimer, mais on ne peut pas encore les évaluer. Il est beaucoup trop tôt. D'abord, on ne sait pas encore quel est le degré d'acceptation de la population de cette nouvelle loi. On est en train de le mesurer au fur et à mesure du temps et les choses ne sont pas encore totalement mises en place. On attend que l'Agence nationale du cannabis à usage thérapeutique et industriel prenne forme. C'est une organisation, une institution donc, qui va avoir des acteurs à la fois sur le plan institutionnel, donc certainement dans la capitale, mais aussi sur le terrain, quelles vont être les nouvelles interactions entre ces nouveaux agents, les anciens, etc. Ensuite, comme l'ont dit mes collègues, ce nouveau marché est un petit marché pour le moment. Alors, les besoins du cannabis pour l'usage thérapeutique, que ce soit à la fois pour l'exportation, mais aussi pour le marché national, et ils sont petits, mais surtout, là, pour le moment, au Maroc, on ne sait pas quels sont les patients qui vont faire cette demande ou quels sont les médecins qui vont adhérer à ce projet et qui vont donc vouloir prescrire du cannabis. Il va falloir les former, il va falloir les sensibiliser, etc. En tout cas, au Maroc, nous n'avons pas, par exemple, d'associations de patients qui ont demandé une légalisation à des fins thérapeutiques. Par contre, nous avons au Maroc un ancrage culturel, traditionnel, social des usages du cannabis, c'est-à-dire qu'il a été, on le retrouve même aussi sur le plan scientifique dans des écrits arabo-musulmans et perses en médecine arabe, etc. Ça a été utilisé à des fins thérapeutiques. C'est pas quelque chose qui a été téléporté. Maintenant, vous me posez la question des retombées sur les populations, ben ça va dépendre. Là, cette loi les invite à se constituer en coopérative. Donc, on va voir si ces coopératives vont constituer une force. Une force, c'est-à-dire, est-ce que ces coopératives vont pouvoir, par exemple, intervenir à différents niveaux de la chaîne de production? Parce que si vous savez que s'ils ne font que cultiver en plus du cannabis à l'état brut et qu'ils le vendent ensuite à des intermédiaires, des industriels, etc., et qu'il n'y a pas de participation de leur part à différents niveaux de chaîne de la production, bah, effectivement, les retombées seront moindres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retombées. Je parle là de retombées économiques. Il faut savoir aussi que c'est des agriculteurs qui sont déjà impliqués dans la transformation du cannabis pour la résine. Et donc, ils ont une expérience, même si ce n'est pas le même produit, on va me dire, mais une expérience dans la transformation des produits. Donc, ils ne vendent pas aujourd'hui, depuis que ils se sont spécialisés dans la production de hashish pour l'exportation, ils ne vendent plus le cannabis à l'état brut. Ils se sont petit à petit spécialisés dans des produits transformés. Donc, est-ce que ça va dépendre des forces qui vont se constituer, et puis quel type de marché le Maroc va construire, en fait? Donc, est-ce que ça va être une économie libérale? Est-ce que ça va être une économie sociale et solidaire? Est-ce que ça va être… Tout va dépendre. Très bien, merci Kenza. Donc, je reviens vers vous, professeur Jalel Taoufir. On va passer à un autre enjeu lié au trafic. Donc, selon vous, quel serait l'impact de cette régularisation sur les réseaux de trafic de drogue, sachant que ces derniers, en fait, ils contrôlent de longue date l'économie du hashish? Est-ce que les trafiquants seront perdants? Alors, je voudrais, si vous me permettez, avant de répondre, faire quelques petits commentaires. D'abord, encore une fois, et juste pour qu'on reste dans des concepts qui sont entendus de la même manière par nos auditeurs, il n'y a pas de légalisation, encore une fois, au Maroc, du cannabis. Encore une fois, c'est une réglementation. La deuxième chose, si vous le permettez, c'est qu'il ne faut pas qu'on mette dans la… Il y a une sorte de terminologie ici qui est très importante. Le mot cannabis renvoie à beaucoup de choses. C'est pour ça que d'ailleurs, mon cheval de bataille aujourd'hui avec l'OMS, c'est qu'on puisse travailler sur la terminologie et qu'on puisse peut-être changer le labeling complètement et de ce qu'on appelle cannabis, parce que c'est impossible. On se réfère au cannabis quand on parle
de la plante, on se réfère au cannabis lorsqu'on parle des produits, on se réfère du cannabis lorsqu'on parle des joints, on se réfère au cannabis lorsqu'on parle de marijuana et quand on parle de la résine. C'est impossible, ça ne veut pas continuer comme ça parce que c'est un fourre-tout et c'est ça qui fait, c'est ça qui jette un peu le flou et qui porte un tort énorme à l'acception globale de ce problème. Donc aujourd'hui, le produit qui est les champs au Maroc avant de. Et puis d'ailleurs, ça va être la transition. C'est des plantes qui sont extrêmement concentrées en tétrahydrocannabinol. Des plantes extrêmement concentrées en tétrahydrocannabinol ne peuvent servir qu'à deux choses. La première, c'est, je ne parle pas de l'usage industriel, parce que l'usage industriel, il faut vraiment faire l'étude phyto, l'étude botanique, enfin un tas de choses pour pouvoir savoir ce qui peut servir pour les cordes, qui peut servir pour les isolants, etc. Mais si on voit, par exemple, sur le plan pharmacothérapique, c'est très compliqué parce qu'à partir du moment où c'est très concentré en THC, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Il n'y a que deux choses. Soit vous restez dans l'usage illicite, à ce moment-là, vous continuez à faire votre résine extrêmement concentrée et qui n'a rien avec le marijuana vendu dans le monde, absolument rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. On parle de plus de 25% de THC marijuana dans le monde, c'est aux alentours du 6, 7, 10%, je veux dire au maximum. Donc, c'est deux produits complètement différents. La deuxième chose qui est très importante, c'est que, si vous voulez, si on va en faire une extraction de produits pharmaceutiques, les gens le font déjà. Le THC est déjà fait ailleurs. Dronabinol, etc., c'est fabriqué depuis très, très longtemps. Le marinol est fabriqué très longtemps. Il y a une saturation du marché sur le plan pharmacothérapique, enfin des produits THC. Par contre, si on veut tout ce qui est maintenant, on va dire hip, tout ce qui est fashionable, tout ce qui est, j'utilise bien mes mots, tout ce qui est à la mode aujourd'hui, qui est le CBD. CBD, c'est pas cette plante. CBD, c'est une autre plante qui est très très faiblement concentré en THC, parce que quand vous voulez faire de l'extraction de CBD à partir de cette plante, malheureusement, vous retrouvez avec, techniquement, c'est très compliqué. Donc, il faut que la plante soit différente. Donc, ce n'est pas la plante qui est déjà utilisée au Maroc, qui est déjà plantée au Maroc. Donc, vous voyez, c'est très important sur le plan conceptuel qu'on puisse, même qu'on soit honnête par rapport aux gens qui sont dans le Nord et qui ont des attentes qui sont parfois outrageusement erronées, malheureusement, par un discours qui est le discours des promesses et qui, malheureusement, n'est pas collé à la réalité, parce que la réalité est tout autre. Pour revenir à l'impact, mais ça, je pense que ça va revenir dans la discussion, pour revenir à l'impact sur le trafic de drogue, personne ne peut savoir. Pourquoi? Parce que ça, c'est la loi du marché, et c'est la loi du marché, d'un marché qui est extrêmement fructueux, rappelant que le trafic de drogue, le marché de drogue, c'est quand même... C'est presque celui des voitures et des armements. Donc, je veux dire, il se positionne, ça dépend des années, mais il se positionne dans le trio de tête. Donc, vous vous rendez compte, on ne peut pas imaginer une seule seconde que les trafiquants de drogue vont se croiser les bras et se dire, on va voir ce qui va se passer, et puis on est là à subir les conséquences. Pas du tout. D'abord, ils vont conserver des marchés parce que les usagers sont là. Je ne parle pas de l'usage, je parle de l'addiction. L'addiction ne disparaît pas overnight. C'est pas un truc. C'est comme si on disait on arrête aujourd'hui les cigarettes. C'est pas possible. Ça ne pourra pas se faire parce qu'il y aura du marché noir et les gens. On a vu ce qui s'est passé avec l'alcool dans les années 20 lors de la prohibition. Donc, si aujourd'hui on a comme avec une baguette magique, on arrive miraculeusement à contrôler toute la production, ce qui est impossible techniquement sur le terrain, vous connaissez le RIF, et qu'on se dise, on appuie sur le curseur pour que ça soit zéro production, et que tout de suite, après, l'agence du cannabis prend le relais, on considère, enfin, ce scénario invraisemblable, mais on le considère quand même, ça ne va pas être possible parce qu'il y a beaucoup d'usagers au Maroc, parmi lesquels, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de l'usage de substances, qui ont des troubles de l'usage de drogue, qui ne peuvent pas arrêter le cannabis. Donc, ils sont dans le besoin. Il y aura toujours de la culture illicite. Elle pourra être transplantée ailleurs. Elle pourra être déplacée. Il y aura peut-être des incentives ou des motivations financières pour que les gens continuent à on va peut-être augmenter le prix d'achat de la résine chez l'agriculteur, chez le fermier. On pourra peut-être faire du dumping aussi. Enfin,
On ne peut pas savoir, moi je ne suis pas un économiste, moi je suis médecin, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'économistes qui travaillent sur les scénarios par anticipation de l'introduction ou du contrôle. Le contrôle, à mon avis, ne peut pas se faire du jour au lendemain, comme ça, du jour au lendemain, avoir zéro production illicite, ça ne va pas être possible. Donc il y aura d'abord un ajustement et une adaptation de la part des trafiquants. Deuxièmement, n'oublions pas aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas que le cannabis, il y a aussi la cocaïne au jour d'aujourd'hui qui rentre de l'Amérique du Sud, qui par l'Afrique subsaharienne et qui monte vers l'Europe à travers le Maroc. Le Maroc est situé sur les routes de tous les trafics du monde, tous les trafics. L'héroïne par la voie sud à travers la corne de l'Afrique et donc par le réseau Lagos, puis après Abidjan, et puis ça monte encore une fois à travers le Sahara et à travers toute l'Afrique subsaharienne vers le Maroc. La même chose pour les amphétamines, la même chose pour les nouvelles substances psychoactives. Le Maroc et le Maghreb est vraiment sur la route de tous les trafics. Donc, on ne peut pas imaginer une seule seconde que les trafiquants vont s'arrêter et vont se dire drapeau blanc, vous faites ce que vous voulez, vous avez légalisé, magnifique, les fermiers vont en profiter et nous, on va fermer boutique. Ça ne peut pas arriver. Donc, il y aura soit des mécanismes de compensation, de réorientation économique avec des mécanismes de déplacement des cultures, soit des mécanismes économiques de dumping, de surenchère, etc., de paiement d'incentives qui sont beaucoup plus intéressants, soit une reconversion beaucoup plus intense vers les nouvelles substances psychoactives, vers la cocaïne ou vers l'héroïne. Ah, très bien, merci beaucoup, professeur Taoufiq. Donc, je reviens vers vous, docteur Khaled. Professeur Taoufiq vient d'évoquer les défis liés au contrôle. En fait, je voulais poser une question par rapport à un enjeu important qui est la capacité de l'État marocain à contrôler la production de cannabis. En fait, selon vous, comment peut-on gérer un marché légal du cannabis et éviter son détournement vers le marché illicite? Très brièvement, dans 2, 3 minutes. Ben, je viens déjà de prendre 10 secondes sans enlever le mute, mais voilà, je vais essayer de faire le plus vite, Snim. Je vous remercie pour cette question. Donc, bien sûr, la capacité institutionnelle et vraiment la capacité organisationnelle de l'État de pouvoir réguler cette substance est une question qui est vraiment clé, qui est au centre lorsqu'on est dans un État. Quelles sont les relations avec avec les communautés sur le terrain? Quel est l'historique, etc., etc. On parle d'un terrain qui est très difficile, mais qui a été quand même réinvesti massivement, positivement dans les 25 dernières années. Question d'infrastructure, etc., etc. Mais il reste quand même cette question qui reste clé, qui est très, très importante. Bon, il y a une capacité institutionnelle qui existe. On peut le voir sur les autres produits qui sont contrôlés, qu'il s'agisse du tabac, de l'alcool ou de substances psychoactives, surtout parlant, qui sont aussi sous contrôle, ou les médicaments essentiels. Bien sûr, il y a des problématiques de détournement de la méthadone, que ce soit dans la communauté ou dans les prisons, etc. Il y a toujours des problématiques. Donc, il s'agit de répondre, bien sûr, à la corruption. Il s'agit de répondre, se poser la question, où est-ce que le marché illégal pourrait être plus fort, même si on était dans un marché récréatif. Et disons, même si on couvrait tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en parlant que du médical, les gens iront toujours pour la question de prix, auront toujours pour la question de la puissance ou la potency, comme on en parle. Maintenant, juste pour parler sur les réseaux de trafic et sur ces questions-là, parce que en fait, ce que fait le Maroc n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose que personne d'autre n'a fait ou qui n'existe pas dans l'histoire du monde. Il faut se rappeler, par exemple, sur la feuille de coca, que la Bolivie n'a jamais voulu accepter le fait que la feuille de coca rentre dans le tableau 1 de la Convention de 61, ainsi que disant que la coca et mâcher la coca doit avoir le plus haut niveau de contrôle et puis doit disparaître dans 25 ans après l'entrée en force de la Convention. Mais c'est surtout que, déjà en 1981, l'une des premières lois qui avait mis un monopole d'État sur l'achat et la vente et qui avait limité tout à fait les terrains de la culture de la coca, les avait limités, avait refusé de les agrandir ou refusé de donner d'autres licences, etc. Donc avec un contrôle très très fort pour répondre d'un côté à la prohibition et à la transformation vers la cocaïne, mais aussi d'un côté continuer à avoir cet usage culturel, etc. et puis répondre aux besoins des populations et des communautés sur le terrain. Cela existe en Amérique du Nord, cela existe en Amérique latine, cela existe dans plusieurs parties du monde. Il y a d'autres exemples avec d'autres substances. Maintenant, disons que comme Kenza, docteur Afsahi vient
de le dire de manière plus éloquente que je pourrais le dire. Cela dépend vraiment de la taille du marché et cela dépend vraiment des usages qui seront permis. Donc, parlons très rapidement, disons, est-ce que les huiles seront permises ou pas? Pour quelles conditions? À partir de quel âge? Comme le disait Kenza, ça sera la formation des médecins, des infirmières, mais aussi savoir qui peut l'acheter. Est-ce que le CBD sera en accès tout à fait libre? Est-ce qu'il sera laissé pour la médecine traditionnelle, ce qui est encore très important dans le marché marocain? Donc, il faut d'abord savoir comprendre ce qui sera possible dans le marché national, quelles sont les utilisations qui seront possibles, quels sont les modes d'usage, quels sont donc les produits qui y seront, quelles sont les puissances, les différentes puissances qui seront disponibles et pourquoi, pour pouvoir savoir comment est-ce que le crime organisé va y répondre. Et je finis juste en disant que le crime organisé, il est déjà infiltré, il vit dans les communautés, donc il est beaucoup, beaucoup plus résilient parce qu'il a l'information en premier, il connaît les dynamiques et il les voit beaucoup, beaucoup plus vite et arrive à s'adapter. Donc, qu'il s'agisse d'intégrer des marchés légaux qui sont naissants ou qu'il s'agisse donc de jouer sur d'autres choses, de jouer sur le marché récréatif qui reste à côté, qui est très important et qui est là, de jouer sur, bien sûr, leur export aussi pour le récréatif vers l'Europe, vers l'Afrique de l'Ouest, vers d'autres régions du monde, tous ces paramètres-là sont à voir. Mais quand on parle de cette régulation, donc de mettre en place des régulations qui répondent à des besoins spécifiques, il est tout à fait évident qu'on laisse derrière une grande partie de la population qui, elle, l'utilise pour des raisons qui ne sont pas médicales et qui ne sera pas concernée, ou une grande partie de la demande qui n'est pas concernée par les nouvelles régulations. Je vous remercie. Merci, merci Khaled d'avoir été très rapide. Donc, encore à ce sujet avec Dr Kenza, est-ce que vous pensez que le gouvernement compte défier l'autorité des réseaux de trafic de cannabis ou plutôt va-t-on vers une cohabitation de deux marchés, légal et illégal? Oui, je vais dans le sens de mes collègues. Il y aura, je pense, deux marchés qui vont coexister et qui vont s'influencer les uns les autres, que ce soit en matière de savoir, en matière de transfert de connaissances, que ce soit même peut-être des trafiquants qui vont investir dans le marché légal, mais aussi des résistances de la part des trafiquants qui ne voudront pas, par exemple, que dans leur village, il y ait la constitution d'une coopérative, parce que ça risquerait de mettre à mal leur marché, etc. Mais en tout cas, l'enjeu de cette nouvelle loi n'a pas été celui de la lutte contre le trafic. Le premier enjeu qui a été mis en avant, il a été économique et social et environnemental. Environnemental parce que nous avons bon, c'est pas que les Marocains qui ont une crise qui traverse, c'est le monde entier qui traverse une crise écologique. Et effectivement, comme il y a eu une monoculture et une intensification des cultures de cannabis dans cette région pendant longtemps, etc., ben en fait il y a eu un épuisement des ressources, une érosion qui a été accélérée, un épuisement des nappes phréatiques, etc., et que cet enjeu là il a été vraiment mis en avant, c'est l'environnement physique mais aussi environnement social et économique des agriculteurs. Oui, toujours avec vous, docteur Kenza. Donc, vous vous intéressez notamment à la commercialisation des graines de cannabis dans le RIF. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'accès des agriculteurs aux graines? Est-ce que les réseaux de trafic contrôlent la distribution de cette ressource clé et celle de l'eau aussi? En fait, ce qui se passe, c'est que les graines voyagent, que ce soit avec les oiseaux, les humains, les touristes, et aussi avec des trafiquants qui en ont fait un énorme business. Avant, les graines étaient échangées et données entre les agriculteurs, mais maintenant, ça pèse dans les coûts de production de l'exploitation parce qu'il y a deux marchés, en fait, aujourd'hui du cannabis, cannabis dans le RIF. C'est celui des produits donc transformés, donc du mais aussi celui des graines, des semences qui nous viennent de différents endroits où ils ont été développés, notamment en Europe, en Amérique du Nord, etc., par des semenciers, ce qu'on appelle surtout dans le milieu les breeders des semences. Et ces semences-là, elles ont été en fait développées par différents acteurs. C'est assez hybride, hein. Ça peut être même des botanistes à certains moments, des horticulteurs, des amateurs de la plante au début
pendant les années 60-70, qui ont essayé, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récolté des semences dans les pays dits traditionnels de culture, hein, que ce soit le Népal, l'Afghanistan, le Liban, mais aussi au Maroc, etc. Ils sont repartis avec ces semences et ils les ont croisées pour créer des nouvelles variétés, ce qu'on appelle les variétés hybrides modernes. Alors, pourquoi modernes? C'est parce que l'hybridation des plantes, elle est naturelle, en fait. Elle se fait par le vent, les oiseaux, comme je le disais avant. Mais cette hybridation moderne, elle est accélérée par les humains pour différentes raisons. À la fois pour augmenter les rendements du cannabis, pour augmenter le taux de THC du cannabis. Là, tout à l'heure, mon collègue Jalal Soufer parlait d'une augmentation des taux de THC. Ça a été réalisé sous l'effet et sous la demande aussi des goûts des consommateurs qui ont évolué au fur et à mesure du temps, mais aussi des concurrences qui se font entre les semenciers pour créer un nouveau marché. Et donc, aujourd'hui, ça pèse sur les coûts de production des exploitants. Alors, vous parliez du stress hydrique, il me semble, en tout cas de l'eau. Une des caractéristiques de ces variétés hybrides modernes, c'est qu'elles demandent davantage d'irrigation. Et ce qui pousse les agriculteurs à puiser dans les nappes phréatiques, elles demandent également plus de produits phytosanitaires, etc., d'où ces conséquences dont on parlait tout à l'heure sur l'environnement. Ah, super, merci Kenza. Donc, je reviens vers vous, professeur Tawhir. Selon les chiffres cités par le ministère de l'Intérieur, environ 90 ménages, soit 760 000 Marocains, dépendent de la production de cannabis pour leurs revenus, principalement dans les régions du nord du Rif, comme Al-Husseima et Chefchaouen. Donc, selon vous, est-ce que les agriculteurs verront un avantage économique à prendre part à la régularisation? Votre avis? J'en sais rien. je vais dans l'humilité de vous répondre que c'est extrêmement compliqué d'anticiper sur un phénomène où il y a beaucoup de variables. Il y a des variables qui sont sociales, des variables culturelles, des variables économiques, des variables politiques. C'est extrêmement compliqué. Moi, je défie quiconque qui pourrait me dire aujourd'hui ce qui va se passer. On a vu ça dans pas mal de pays. On a vu ça en Afghanistan, lorsque les Nations Unies ont essayé de développer, de promouvoir en tout cas des cultures de substitution. On a vu ça avec le safran. On a vu ça avec beaucoup de choses qui on voyait que en fonction des régions, la réponse ou l'interaction, la réponse en tout cas des autochtones, des locaux, était différente pour des raisons extrêmement compliquées. Donc, pour vous dire aujourd'hui, est-ce que ça va prendre? Je ne sais pas. Ce qui est important, à mon avis, c'est de pouvoir effectivement étudier les choses en amont. L'une des choses qui, pour moi, est primordiale, c'est l'étude du sol et l'étude, puisqu'on a opté pour la région du Rif, d'étudier le sol, d'étudier les ressources et d'étudier surtout les plantes qui sont déjà existantes et de voir un peu s'il y a des problématiques botaniques, etc., sur place. Ce qui est important aussi, c'est peut-être effectivement, c'est de peut-être être dans le respect de cette population et peut-être avoir une approche aussi participative et contributive et aussi interactive avec cette population, peut-être l'écouter, aller à l'écoute de cette population. Je pense qu'il est extrêmement important de pouvoir expliquer ce qu'on va faire. Je pense que ça va être l'une des missions essentielles de l'Agence du cannabis, qui va, bien sûr, ça va au-delà de l'Agence du cannabis, parce que c'est transversal, c'est gouvernemental, mais je pense que l'une des missions de l'Agence du cannabis, ça va être aussi de la communication avec les non seulement ceux qui vont déposer, parce qu'il y a un cahier de charge, ceux qui vont déposer les demandes pour les coopératives, les licences, mais ceux qui vont travailler aussi. Mais honnêtement, si quelqu'un pourrait avoir une réponse, vous savez, je dis toujours, quand on a une question complexe, si on dit qu'on a une réponse simple, c'est qu'elle est erronée à la base. Merci, professeur. Je reviens vers vous, docteur Tinasti. En fait, comme il a été dit, c'est un sujet extrêmement complexe. Il y a beaucoup de variables et on va plutôt vers une coexistence de deux marchés.
À votre avis, docteur Khaled, quelles seront les stratégies utilisées par les réseaux pour maintenir leur part de marché? Je vous remercie pour cette question, Tasnim, mais je dois avouer que pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait plutôt se placer vraiment, comme je l'avais dit, d'abord au départ de comprendre à quoi ressemblera cette légalisation. Et bien sûr, comme vient d'être dit, cela dépend aussi de son modèle de gouvernance, de l'intégration des paysans, comme l'a dit Dr Afsah, de l'intégration de ces coopératives dans la prise de décision, mais aussi si jamais un jour les associations de patients, les médecins, etc., pour pouvoir comprendre, simplement sur l'aspect médical, pour pouvoir comprendre quels sont les débouchés réels. Une fois que l'on comprend cela, c'est là qu'on peut commencer à identifier donc les chemins ou les capacités ou les opportunités qui restent pour le crime organisé ainsi pour pouvoir s'infiltrer. La vraie question ici est de se demander, est-ce que cette régulation spécifique pour le cannabis médical répond vraiment à la question de combattre le marché illégal du cannabis ou d'autres drogues de manière générale? Moi, je ne le pense pas du tout. Il s'agit vraiment ici de répondre à une question qui est, comme je l'avais dit, quelque part à deux questions qui sont ceux de répondre à des questions très urgentes pour ces populations-là qui dépendent donc de cette culture, mais qui sont aussi criminalisées. Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en fuite, qu'il n'y a pas de loi d'amnistie, qu'il y a beaucoup de gens qui sont recherchés pour être emprisonnés pour la production de cannabis, etc., dans le pays, ou spécifiquement dans les régions concernées dont on parle, mais aussi, bien sûr, de pouvoir se placer pour l'avenir et puis préparer cette infrastructure et puis préparer, monter en qualité, en gamme pour pouvoir exporter, pour pouvoir être un des grands champions de l'avenir de l'export du cannabis médical pour toutes sortes d'usages partout dans le monde, et pas seulement le Maroc, bien sûr, a beaucoup d'accords de libre-échange avec beaucoup de régions et de pays dans le monde, etc. Et donc, quand on regarde ces points-là, c'est là qu'on se pose cette question de savoir est-ce que la question est de répondre au marché illégal. Et donc, pour moi, c'est non, parce qu'encore une fois, on laisse une grande partie de la demande en dehors de cela. Cela ne va en aucun cas affecter, bien sûr, cela ne va pas affecter l'export illégal maintenant ou enrichir les filières économiques illicites, etc. Surtout que lorsqu'on propose un marché qui est légal, qui est limité, donc en débouché limité pour les paysans, on voit difficilement comment est-ce que économiquement beaucoup pourrait transférer vers cela. C'est comme lorsqu'on parle de programmes de substitution qui sont tout à fait pour la plupart irréalistes et sans débouché non plus. Quelque part, là, le marché est assez limité. Donc, j'attends vraiment de voir est-ce que le marché sera libéral ou est-ce qu'il sera très conservateur et très fermé, si on peut utiliser cette terminologie qui n'est pas qui peut être à peu près représentative. Donc, ça dépendra vraiment de cela. Mais je dirais que pour l'instant, le crime organisé ne voit pas son monopole sur le récréatif en aucun cas être touché, et ces réseaux devraient pouvoir continuer comme ils le sont. On répond vraiment à d'autres questions avec cette question de réforme sur le cannabis au Maroc. Je vous remercie, Tess. Très bien, merci Dr Khaled. Donc, une dernière question à tous les intervenants. Dans quelques mots, chacun dans une minute. Quelles sont les perspectives pour le marché légal et illégal du cannabis marocain allant du lancement du processus de régularisation? Je commence avec vous, Dr Kenza. C'est vraiment très, très large, les perspectives ou les souhaits ou les voilà, moi ce que j'espère, c'est que ça va pas être un marché sauvage, capitaliste, voilà, qui explose tout sur son passage, sinon c'est pas intéressant. La prohibition a eu des effets extrêmement pervers, nous le savons tous, les organisations internationales aujourd'hui le reconnaissent. Moi ce que j'espère, c'est que ce cannabis qui sera produit au Maroc pourra, à des fins thérapeutiques, pourra aussi servir à des patients, et que la médecine au Maroc va s'emparer de la question, mais pas que la médecine, parce que les questions de soins ne sont pas aussi que les des questions qui peuvent après être appréhendées par les médecins, elles peuvent aussi l'être par d'autres chercheurs. Et donc ce que j'espère aussi, c'est que la recherche scientifique va se développer dans ces domaines, et que à partir de là, à partir de recherches scientifiques, on pourra donc répondre à un certain nombre de questions. Et voilà. Merci Kenza. Professeur Tawfiq, donc sur la même question. Par rapport aux attentes, c'est ça, votre question, c'était par rapport aux... J'ai perdu le son. Oui. Pendant une...
Oui, je répète la question. Donc, quelles sont les perspectives pour le marché légal et illégal du cannabis marocain à l'aune du lancement du processus de régulation? Vous voulez dire le cannabis licite, à usage licite? Oui, surtout. Oui. D'accord. Bon, parce que d'accord. Pour l'usage du cannabis licite, vous savez, au jour d'aujourd'hui, alors encore une fois, cannabis, THC, ça fait des décennies qu'on sait exactement à quoi ça sert, le tétrahydrocannabinol, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas quelque chose de nouveau pour le tétrahydrocannabinol. Par contre, pour le CBD, il y a beaucoup aujourd'hui d'applications thérapeutiques qu'on arrive petit à petit à découvrir. Alors, ce n'est pas la panacée hein, non plus. Il faut être. Vous savez, nos patients ont le droit à des prises en charge thérapeutiques basées sur l'évidence scientifique et pas basées sur des courants ou des mouvements ou des modes. Au jour d'aujourd'hui, le CBD, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas extraordinaire sur le plan scientifique. Ça peut résoudre des problèmes chez certaines épilepsies résistantes de l'enfant, comme le Lennox-Gastaut. Ça pourrait résoudre des problèmes chez des malades qui ont des problèmes de contre-indication par rapport à certains antalgiques, et notamment en phase terminale, pour certains cancers, pour certaines spasticités. Enfin, on peut en parler. Il y a une quinzaine d'indications au jour d'aujourd'hui où le CBD peut trouver son application. Mais c'est pas. C'est vraiment, il faut une formation particulière des médecins et il faut être très honnête avec les médecins et leur dire exactement sur le plan scientifique ce que ça vaut. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous les médicaments. Et c'est pour ça que cette agence du cannabis, quand elle va travailler en étroite relation avec l'agence du médicament. Donc, si vous avez des produits à base de CBD et qui vont sortir pour l'utilisation au Maroc, donc ça va être régulé par l'agence du médicament. La même chose pour tout ce qui est cosmétique, la même chose pour ce qui est alimentaire, ça va être par l'agence du contrôle des produits alimentaires, ça va être la même chose. Mais il faut juste qu'on ne mente pas aux gens et qu'on leur dise pas que le CBD, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, sinon on l'aurait déjà su. Ça apporte des solutions. Mais attendez et voyez un petit peu comment les choses vont évoluer. Comme l'a dit Kenza et comme l'a dit Sekhalib, effectivement, c'est un petit marché. C'est déjà un petit marché pour les médicaments, on va dire, conventionnels. Ça l'est aussi pour les médicaments basés sur les dérivés de cannabinoïdes, c'est comme ça qu'on les appelle. Ben, on verra bien. Mais au moins, je pense que ça va. Renforcer, ça va promouvoir la recherche scientifique locale marocaine et pourquoi pas avoir à partir du Maroc, effectivement, des avancées scientifiques. Mais là, ça demande du know-how, ça demande des ressources humaines, ça demande de l'investissement dans les R&D, enfin, dans le recherche et développement et tout ce qui peut accompagner cette dynamique. Merci, docteur Khaled. Je vous remercie, Tasnim. Moi, je dirais pour mon compte que pour moi, c'est un premier pas. C'est un premier pas qui est clé. Bien sûr que c'est un premier pas qui peut inspirer beaucoup de choses, mais cela me rappelle vraiment le début et la discussion sur le cannabis aux États-Unis et surtout en Californie au milieu des années 90 et l'entrée par la porte du cannabis médical. Et c'était vraiment le changement quelque part de la vision de ce qu'est cette substance et de quels sont ses usages en entrant, bien sûr, les patients, les familles des patients et où l'appel venait. Où la demande venait du terrain aussi et des patients. Et cela, en fait, c'est un jeu de très long terme. Disons que pour l'instant, les perspectives, moi, je peux les voir, que ce qu'il s'agisse du marché, réglementé pour les usages médico-industriels, surtout parlant de médicaux, parce que c'est là où moi, je parle beaucoup de médicaments, parce que c'est là où on utilise le THC aussi, et c'est là qu'on peut le prescrire, qu'on peut utiliser ce genre d'ingrédients qui sont très contrôlés. Et donc, disons que pour celui-là, pour le médical, mais aussi pour le marché illégal récréatif, les perspectives resteront celles qu'impose la prohibition. Donc, comme dans tous les pays du monde, comme pour toutes les substances, ça sera vraiment d'essayer de danser sur les deux jambes, de s'assurer qu'il n'y a pas de détournement vers le marché illégal et de s'assurer qu'on puisse en tirer un bénéfice. Mais bien sûr, en étant tout à fait avec les mains liées, quelque part avec les contraintes sociales, culturelles internes, que ce soit en faveur ou en défaveur, mais aussi avec les pressions internationales, avec les marchés consommateurs du Nord et leurs impositions aussi, etc. Donc, c'est une situation très, très difficile, ce que moi j'appelle la politique de la débrouille. Et quelque part, c'est ce qui restera jusqu'à ce qu'on puisse voir les résultats et les retours d'évaluation du terrain de cette nouvelle réglementation sur le médical, mais aussi ce que cela va apporter comme changement de perspective et de vision de la société sur cette substance et sur
scaler, pour une meilleure compréhension. Donc, c'est un jeu vraiment de long terme. Donc, moi, je parle toujours d'une première étape, peut-être imparfaite, peut-être timide, mais c'est une première étape. Et si on arrive vraiment à construire un cadre de mise en place qui est solide avec une évaluation interdisciplinaire, encore, Dr. Afsahé a rappelé que c'est interdisciplinaire et que c'est vraiment horizontal sur toute la ligne et il faut de la recherche interdisciplinaire sur le terrain pour pouvoir comprendre ce que cela donne. Donc, voilà ce que je dirais. Pour l'instant, c'est de la débrouille, mais nous avons pris un premier pas quelque part qui pourrait donner des résultats assez intéressants sur l'avenir et une meilleure compréhension de la substance. Merci. Merci, Khad. Professeur Tafir, vous voulez intervenir ? Très rapidement, juste un commentaire sur ce que vient de dire M. Khalid. Au fait, ce qui va être la clé de tout ceci, c'est vraiment les attributions de l'agence et les moyens qu'on va lui donner. C'est très important, cette feuille de route qu'elle va avoir. Les prérogatives sont connues, on sait très bien ce que fera l'agence, mais il faut absolument qu'elle ait les moyens et les ressources pour pouvoir contrôler, parce que vous ne pouvez pas donner des franchises pour des hectares et des hectares qui sont soi-disant consacrés à la vente pour la recherche scientifique et pour l'industrie pharma, et que vous ne puissiez pas contrôler où va tout ça, où c'est que ça se stocke, comment ça se produit, comment ça se market, comment on va le distribuer, comment on va l'exporter ou l'importer, ou importer les graines. Donc, c'est vraiment l'agence. L'erreur à ne pas faire, c'est d'avoir cette loi et de créer une agence qui soit faible. Ça, c'est l'erreur absolue à ne pas commettre. Merci, professeur. Merci à tous. Donc, on vient à la fin de la première partie de notre débat. On passe à la partie questions-réponses et on ouvre le débat à notre audience pour poser vos questions. Donc, vous pouvez laisser des questions dans la fenêtre questions-réponses, juste en bas de l'écran. Donc, je vais lire quelques questions qu'on a reçues déjà. Donc, la première question de la part du Younes, il dit « Y aura-t-il, selon vous, un projet d'amnistie envers les producteurs investis dans le marché illicite ?» Et une deuxième question de Flore, d'après les panélistes, quand peut-on imaginer que le Maroc crée l'Agence nationale des régulations du cannabis et mettre en place les éléments qui verront cette loi être mise en œuvre dans la pratique ? Donc, je laisse nos intervenants réagir par rapport à ces deux questions. Peut-être je peux commencer avec vous, Dr Kinza. L'amnistie des producteurs qui sont investis dans le marché illicite, je pense que, en tout cas pour le moment, elle a été demandée par des acteurs de la société civile, elle n'a pas été accordée pour un certain nombre de raisons. On aurait espéré effectivement que les cultivateurs ne soient plus touchés par cette répression qui dure depuis un moment. Et la deuxième question, c'était par rapport à... Excusez-moi. C'était par rapport à la création de l'Agence nationale de régulation du cannabis. Il y a une attente pour le moment de la création de cette agence et moi je trouve plutôt, en fait moi je suis plutôt une adepte du temps long, même si cette prohibition a duré longtemps, mais je suis quand même une adepte de prendre le temps et heureusement que cette agence n'a pas été créée le lendemain et que parce que au moins on se dit qu'il y a une réflexion derrière. Voilà, c'est une agence, effectivement ça va être hyper compliqué de contrôler sur le terrain. Le marché du médical impose énormément de normes, donc est-ce que les cultivateurs vont pouvoir répondre à ces normes avec de traçabilité, de voilà, enfin tout ça c'est à construire et heureusement que le Maroc prend son temps, je pense. Ah, merci Kenza. Professeur Tafir, vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit? Écoutez, personne n'est dans le secret des dieux, mais je pense que l'agence, effectivement, prendra le temps de... Moi, encore une fois, je le dis, si l'agence doit voir le jour, elle doit absolument être bien fournie en ressources humaines et ressources matérielles pour pouvoir faire son... Il n'y a pas pire que d'ouvrir la... De fermer la porte de la maison et de laisser la porte derrière ouverte. Il n'y a pas pire que d'avoir une sorte de demi-agence, ou d'une agence où on est entre deux chaises, à vouloir et ne pas avoir les moyens de faire sa mission. C'est très important que cette agence puisse avoir les moyens de faire sa mission parce qu'on va se tirer le balle dans le pied. Si
si le projet échoue, il y a beaucoup de gens qui sont déjà récalcitrants, il y a beaucoup de gens qui se sont opposés pour des raisons politiques, idéologiques, ça se voit dans le monde entier. Donc, moi, je pense que pour la réussite, il faut absolument qu'on parte sur bon pied et que l'agence puisse avoir les moyens. Maintenant, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que, encore une fois, je ne suis pas sûr que l'agence puisse recueillir les plants déjà plantés. Je pense que ça va être différent. Ça va être, je pense qu'on va partir sur une plante particulière, des graines particulières d'importation avec un cahier de charge et un descriptif extrêmement important des graines qu'on va devoir cultiver et avec des licences extrêmement regardantes sur les qui fait quoi. Merci, professeur. Je vous donne la parole, docteur Khaled. Je vous remercie, Tasnim. Donc, je dirais rapidement juste sur la question de la légalisation et de la régulation. Donc, ce sont juste des étapes juridiques. La légalisation, c'est ce qui met fin à la prohibition et à l'interdiction. Et donc, les régulations sont celles qu'on met en place pour savoir quelles seront donc, les conditions d'accès, les conditions de production, les conditions de transport, etc., etc. Donc, lorsqu'on parle de régulation, c'est vraiment l'étape d'après qui définit ce que sera ce modèle de légalisation. Et la légalisation, c'est juste le fait de sortir de la prohibition, donc quelque part. Mais ça, c'est de manière très régulière. Et puis, il y a aussi, par exemple, sur l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, il y a des dictionnaires de terminologie où on peut trouver aussi des réponses à ces questions. Sur la question de la création de l'agence nouvelle, cela me rappelle aussi la première question que vous m'avez posée sur la gouvernance. Et donc, j'ai plutôt parlé des deux dimensions et des deux objectifs, plutôt de parler du modèle de gouvernance, parce que, bien sûr, on ne sait pas. Pour l'instant, comme on n'arrive pas à y répondre, moi, je trouve que dans le processus, il devrait y avoir, bien sûr, quelque part des consultations, qu'il devrait y avoir un peu plus de transparence et comprendre où vont donc ces questions et savoir quelles sont les orientations qui sont en train d'être considérées ou pas. Tout ça, là, on ne le sait pas, surtout quand on ne vit pas dans le pays à l'intérieur et quand on n'est pas dans ces discussions informelles. Donc, il s'agit vraiment aussi d'ouvrir la question sur la question de la transparence dans la politique publique, mais ça, c'est une question plus générale. Et finalement, sur la question de l'amnistie, je dirais que c'est une question clé, mais je voulais juste rappeler que la commission sur le modèle de développement, sur le nouveau modèle de développement au Maroc qui a rendu ses conclusions et ses recommandations l'année dernière, appelait non seulement bien sûr à la même chose qui était la loi était déjà passée avant les recommandations de la commission, mais elle appelait donc à la réglementation du marché médical et industriel, mais elle appelait également à la dépénalisation donc de l'usage et à la dépénalisation de la production. Donc, c'est une question où surtout, la grosse problématique lorsqu'on parle des paysans, c'est aussi la disproportionnalité des peines. Et ça, c'est une très grande question. Mais je pense que tout ce qui s'agit de justice criminelle et toutes ces questions-là sont des choses qu'on devrait plutôt explorer sur les questions de proportionnalité, de dépénalisation, etc., qui seront des étapes à venir bien plus tard. On voit bien les pays qui ont commencé des réglementations comme celle-ci chez eux il y a une vingtaine d'années, arrivent à ces questions aujourd'hui avec l'avancement du débat, avec l'avancement de la maturité de la société pour entrer dans ce débat, etc. Merci. Ah, merci Khaled. Donc, une question de la part de Sahar. Donc, elle dit, j'aurais voulu avoir votre avis sur le potentiel impact de cette décriminalisation, donc l'impact sur les relations entre le Maroc et ses voisins européens, notamment dans le domaine de la collaboration et lutte contre la criminalité et les narcotrafiquants. A-t-on des exemples parmi les autres pays ayant entrepris la même initiative? Donc, je donne la parole avant encore Khaled. J'aimerais juste pouvoir... Donc, quel serait l'impact sur la relation avec l'Union européenne et la deuxième partie de la question, excusez-moi, Tessna. Oui, bien sûr. Oui, je répète la question. Donc, l'impact sur les relations entre le Maroc et ses voisins européens, notamment dans le domaine de la collaboration et lutte contre la criminalité. Mm-hmm. La deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y a des exemples parmi les autres pays qui avaient entrepris la même initiative?
Bon, je dirais de manière très rapide pour répondre à la question assez rapidement, comme je le répète, comme on l'a essayé de le dire, il ne s'agit pas vraiment du tout, du tout, du tout de changer la riposte ou de changer la riposte à l'usage récréatif. Et donc, ça sera toujours du contrôle, ça sera toujours une riposte assez musclée contre les réseaux de trafic, contre donc le passage des substances entre le Maroc et ses voisins de tous les côtés, d'ailleurs pas seulement les Européens. Donc ça ne change rien parce que le Maroc est toujours tout à fait en conformité avec les conventions. Il n'a pas dépénalisé la production comme c'est le cas aujourd'hui au Luxembourg ou à Malte. Il n'a pas légalisé comme au Canada donc l'égalisation récréative pour tous les usages comme au Canada pour les adultes. Il s'agit vraiment juste des médicales. Maintenant, l'exemple qu'on peut voir et qui peut répondre à cette question peut-être n'est pas dans notre bassin méditerranéen autour de notre zone. Il s'agit vraiment plutôt de la Jamaïque qui a dépénalisé donc à peu près 56 grammes pour personnel et qui a aussi permis, qui a légalisé l'usage dans les cérémonies religieuses pour les Rastafari. Et là, on a vu en 2015 une réponse très très forte des États-Unis qui était tout à fait opposée à cette question en disant que cette réponse plus laxiste, disons, en Jamaïque elle-même, où cette libéralisation de la riposte contre la consommation et la production pouvait avoir des impacts sur le marché illégal, et donc, car il y a de l'export vers un marché consommateur qui est le marché du Nord. Pour l'instant, cette question ne se pose absolument pas ici. Bien sûr, aux États-Unis, la Jamaïque, rien ne s'est passé, puisque les États américains eux-mêmes passaient par vote et par référendum ou par vote dans les parlements locaux, je veux dire, d'État pour légaliser l'usage récréatif de plus en plus. Mais cette question ne s'est jamais vraiment encore posée dans notre bassin méditerranéen, car il faut savoir que, par exemple, la situation du Maroc avec sa loi de régulation est aussi venue quelques mois après celle du Liban, qui est aussi une régulation pour l'usage médical et vers l'export. Donc, nous sommes dans une situation qui est tout à fait nouvelle et très neuve. Mais s'agissant de la coopération sécuritaire et sur le crime, disons que rien ne change beaucoup puisque le marché récréatif n'est pas concerné. Je vous remercie. Merci, professeur Taoufiq. Oui, alors je voulais, alors encore une fois, c'est très important le choix des mots, parce que c'est là où je comprends la question de la dame. Légalisation, dans le concept, dans le jargon onusien, absolument, c'est complètement différent de ce dont on est en train de parler. Légalisation, c'est de faire en sorte à ce que les produits qui sont illicites de par les conventions sont. Il n'y a pas, quand vous les utilisez à des visées personnelles, quand vous en êtes en possession, vous n'êtes pas poursuivi. C'est-à-dire que c'est libre de vente. Le trafic est toujours puni, mais la possession à usage personnel n'est plus punie. C'est légalisé. Vous pouvez l'acheter et utiliser le THC qui est sous contrôle international. Maintenant, alors, dépénalisation, c'est autre chose. Dépénalisation, c'est que ça reste toujours illégal dans le pays, mais il n'y a pas de poursuite, c'est-à-dire il n'y a pas d'instruction quand on vous appréhende, il n'y a pas d'instruction de la poursuite judiciaire. Ça peut s'arrêter à des sanctions, à des indemnités, à des, comment on appelle ça, des forfaits, des pénalités forfaitaires, etc. La décriminalisation, c'est que ce n'est plus un crime. D'accord? Ça peut être toujours illégal, mais ce n'est plus un crime. Et donc, dès le départ, ce n'est pas à criminaliser. Mais par contre, avec des conditions. C'est-à-dire le nombre de grammes que vous avez en poche, il faut que vous ne soyez pas dans le trafic, ni dans la revente, etc., etc. Donc, c'est très important de comprendre ce dont on parle. Et puis ensuite, la légalisation, la décriminalisation de la pénalisation, c'est par rapport à des produits. Or, le produit au Maroc, ce n'est pas le marijuana. Attention, c'est de la résine la plupart du temps, la majorité écrasante de ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est de la résine de cannabis. Je ne parle même pas des huiles et des goudrons, là, qui sont extrêmement concentrés. Donc, comment vous pouvez, par exemple, au Maroc, venir et légaliser ou dépénaliser ou décriminaliser quelque chose qui est extrêmement concentré au THC? Donc, c'est des choses qui sont extrêmement. C'est des concepts qui sont extrêmement importants à pouvoir expliquer aux gens. Qu'aujourd'hui, on est dans une situation pas de légalisation, parce que de toute façon, à usage médical n'a jamais été illégal, puisque l'article 4, paragraphe C, le permet pour tous les pays du monde. Utiliser le THC à des visées scientifiques ou médicales n'est pas illégal, donc on n'a pas à légaliser. On est tout simplement en réglemente. C'est-à-dire, on dit attention, il faut créer une agence, voilà comment on fait, voilà le type de graines, voilà le type de plantes, voilà comment stocker, comment produire, comment cultiver, comment marketer, comment faire de la publicité, comment distribuer, comment vendre, etc. Mais c'est tout. Donc, il faut faire très attention. Par contre, légalisation au Maroc, ça n'a jamais été sur la table.
Ça pourrait venir un jour, comme l'a dit si bien Sir Khalid, ça peut venir un jour, mais si on doit légaliser un jour, on doit légaliser pas du THC à 25 ou 26% ou 30%. Parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi que le Maroc est signataire des conventions, comme d'ailleurs la Jamaïque l'a suspendu, pour pouvoir faire passer sa loi, a suspendu à minuit son accord, aux conventions, c'est-à-dire sa signature des conventions, on va dire, entre guillemets, Party to Conventions, elle a suspendu pour pouvoir passer la loi et reprendre et redevenir Party to the Conventions. Alors, ça, c'est très compliqué. N'oubliez pas que le cannabis est utilisé, d'ailleurs, comme la plante de coca. La coca utilisée en Amérique du Nord n'a rien à voir. C'est de la coca culturellement. Quand vous la mâchez, vous avez des effets, mais il y a très, très peu d'addiction, contrairement à la cocaïne. Enfin, il y a une habituation, on va dire, sur le plan de la force que ça peut donner ou la stimulation que ça peut donner, mais ce n'est pas des troubles de l'usage de substances dans le sens médical du terme qu'on peut avoir avec le THC à forte dose, avec la cocaïne, avec l'héroïne. Il faut faire très attention au concept parce que les gens nous écoutent et ils vont peut-être se dire oui, mais on va vers la légalisation, et pas du tout ça. Ça pourrait venir un jour pour la légalisation à visée récréative au Maroc. Ça pourra venir un jour, ça c'est sûr et certain. Il y a une vague aujourd'hui. Il y a aussi une approche droit humaniste. J'ai le droit de décider de ce que je veux de ma vie. Ça peut parfaitement se comprendre ainsi, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, professeur Taoufiq. Donc, Kenza, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à cette question? Une autre question pour vous. Donc, vous avez dit qu'on s'attend toujours à la création d'une agence nationale de régulation du cannabis. Donc, selon vous, en fait, quel est l'impact de cette situation, de cette ambiguïté, si on peut le dire, sur les agriculteurs dans les régions les plus touchées par cette question? Donc, compte tenu de votre expérience de recherche sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous parler de ce point? Pour moi, il n'y a pas... les ambiguïtés se créent parce qu'il y a une attente et que... En fait, ils sont dans une situation qui est un peu compliquée, à la fois dans l'illégalité depuis très longtemps... Ils comprennent. Il y a certains acteurs qui comprennent pas vraiment cette loi. Est-ce que ça va impliquer pour eux? Qu'est-ce que c'est ces coopératives? Ils savent pas vraiment en fait. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus, qui commencent à créer leur coopérative en fait, qui sont en train de se préparer alors que l'agence n'est pas encore là. En fait, on a vraiment des situations à différents niveaux sur le terrain en réaction par rapport à ce projet de loi, cette loi maintenant qui n'est plus un projet. Et par rapport à la question qui a été posée là sur, en fait, je ne sais pas à quel niveau elle se. Je pense que les pays, nos voisins, s'intéressent à ce qu'on a fait, s'intéressent vraiment parce que la place du Maroc sur le marché international du cannabis, mais aussi sa position stratégique géographique au croisement de plusieurs confluences, mais aussi de différentes routes, etc. Bien sûr qu'ils s'intéressent à cette loi Mais je pense que les conséquences vont surtout être peut-être des collaborations économiques, des investisseurs peut-être européens qui vont s'intéresser à peut-être produire ou aller chercher la matière première. Et puis donc, on va avoir des industriels étrangers et puis des interactions avec des acteurs marocains, etc. J'aimerais juste rappeler que la singularité de cette loi au Maroc, c'est que contrairement à certains pays africains qui ont légalisé, ou même le Liban, mes collègues me corrigeront, et ce n'est pas une loi que pour l'exportation du cannabis. Il y a une réelle ouverture pour la construction d'un marché marocain. Et alors, c'est vrai que quand on lit la loi, il n'y a pas beaucoup de place pour les usagers. On dit on dit légalisation de l'usage du cannabis à usage thérapeutique, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour les patients. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un enjeu surtout économique, social et environnemental, parce que on les voit pas, les patients, dans la loi. Et donc, je pense que ça, c'est à faire.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit évoluer, qui doit faire. Parce qu'il n'y a pas que les cultivateurs, il y a aussi les usagers. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit pour les usagers en termes de prévention, en termes de réduction des risques, en termes de sensibilisation, etc. Ça, c'est quelque chose qui manque. Oui, nos voisins s'intéressent à ce qui se passe au Maroc. Après, en termes de lutte contre le trafic, de collaboration dans ce cas-là, ben, en fait, comme il ne s'agit pas du légalisation, d'une réglementation du hashish, le produit phare qui est produit aujourd'hui par les populations locales, ben, en fait, la question ne se pose pas vraiment. On ne voit pas commencer à augmenter la lutte contre le trafic parce qu'on a créé un marché du cannabis à usage thérapeutique. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt ou de... Très bien, merci Kenza. Donc, on prendra deux autres questions. Donc, on a un commentaire qui dit en fait deux éléments qui pourraient ralentir ce projet de réglementation de cannabis. Le rejet par la population d'IRIF, région rebelle, de tout ce qui vient de l'administration centrale, le manque de volonté des agents de l'administration et des services de sécurité qui profitent du levier de la corruption et des réseaux de trafiquants. Qu'en pensez-vous? Donc, et il y a une deuxième question concernant, pardon, so it says that, it's in English, does the panel believe the fact that the licit and illicit production will coexist make policing of illicit production a lot more difficult? Donc, je pense qu'on a touché un peu à ce point, mais on peut y revenir. Docteur Khaled, je vous donne la parole pour réagir par rapport à ces deux points. Je vous remercie. Je vous remercie. D'ailleurs, pour répondre à cette première question qui est sur la question de la population, du rejet de la population ou de la confiance entre l'administration et les populations locales, etc. Je pense que, d'ailleurs, dans une des interviews de Kenza ici présente, où elle avait rappelé par ailleurs que la police ou la riposte n'a pas été celle comme en Amérique latine contre les producteurs et qu'il y a une flexibilité, qu'il y a une certaine prise en compte de la réalité sociale. Si je comprends bien, mais tu pourras tout à fait me corriger. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais arrivé aux mêmes impacts de la guerre aux drogues dans les zones de production que ceux qu'on peut voir et les mêmes niveaux de violence ou pouvoir créer ce genre de situation très, très difficile où les populations ne souffriraient plus économiquement et socialement, mais où il y aurait vraiment des questions sur leur mortalité, sur leur vie, quelque part. Donc, il est tout à fait clair que les populations ont une certaine expérience qui est difficile et cela reste. Maintenant, c'est là où j'essayais de parler tout à l'heure des prochaines étapes, en fait, vers la mise en place de cette agence et vers la clarification de toutes les dimensions de cette loi. C'est vraiment, est-ce qu'il y aura la mise en place de consultations? Est-ce qu'il y aura une possibilité de transparence sur comment la loi va être mise en place? Est-ce qu'il y aura des consultations partout dans le RIF, dans d'autres régions du monde? Qui seront les acteurs qui seront autour de la table? Et bien sûr, lorsqu'on parle d'acteurs autour de la table, on parle de la justice, de la police, on parle des producteurs, on parle des consommateurs, des patients, des médecins, on parle de sciences sociales, mais on parle également des parents, on parle également des parents qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, qui sont très, très inquiets, les parents d'adolescents, etc. Et c'est là où on peut mettre tout le monde autour de la table et pouvoir construire cette discussion. Ça, c'est clair et c'est nécessaire. Et ça, bien sûr, c'est la charge de la preuve, non sur les producteurs, mais sur l'État qui doit jouer ce rôle, donc il doit mettre les gens autour de la table et pouvoir mettre la société civile, les populations concernées, les acteurs étatiques, etc. autour de la table, bien sûr avec les investisseurs aussi, parce que dans cette question il y aura beaucoup de lobbies et beaucoup d'intérêts privés sur lesquels il faut bien sûr aussi, c'est pour ça qu'il faut empower, mais le français est une langue assez intéressante parce que empowerment et accountability n'y existent pas, mais cette loi doit avoir l'empowerment et doit avoir l'accountability derrière. Oui, et puis, oui, merci. Voilà, et ben, pour le coexistence, je laisse quelqu'un d'autre répondre. Merci. Merci, Khaled. Kenza?
Je pense que ces choses qu'on entend sur la population, alors elles sont à la fois basées sur des réalités, sur des événements historiques, etc., mais elles sont aussi parfois un peu exagérées. Cette population qui vivrait comme un peu sur une autre planète, qui n'aimerait absolument pas le pouvoir, qui est en incapacité de parler avec l'administration, c'est pas vrai. C'est une population et une zone extrêmement complexe, avec des situations, une économie marquée par l'illégalité. Oui, donc il y a des choses, en fait, ces résistances, elles viennent aussi de cette activité illégale, de la prohibition, elles ne viennent pas que de la guerre du Rif et voilà, qui viennent aussi alimenter encore aujourd'hui hein, des fantasmes. Il y a moi j'ai pu le voir, hein, des concertations, des collaborations, une coexistence et des interactions entre les autorités, les locales, les acteurs même de l'illégalité, etc., et des possibilités en tout cas de se parler, et puis des gens qui ont envie en fait de créer ces coopératives, etc. Après, qu'il y ait des résistances à d'autres niveaux, ça c'est autre chose. Et la deuxième question, c'était sur la coexistence entre marché légal et illégal, c'est ça? Oui. C'était sur comment ils vont coexister ou la production, la production sur les cultures licites et illicites coexistant. En réalité, bon, c'est vrai que mon collègue Jalal Soufer ne sera pas d'accord avec moi, mais si on voulait des médicaments à base de cannabis, on pourrait extraire les molécules, on est bien d'accord. On pourrait ne pas faire du hashish avec et extraire les molécules de CBD et de THC, on est bien d'accord. Mais il a raison quand il dit que ce n'est pas le même marché. Ce n'est pas le même marché. Le marché du médicament, il est, à moins que ce soit... le marché du médicament aujourd'hui, c'est pour rejoindre ce qu'a dit mon ami Khalid, c'est des lobbies, c'est des industriels, ils imposent des normes, des chartes, des cahiers des charges qui sont parfois difficiles à suivre pour d'autres acteurs, surtout les petits acteurs qui aujourd'hui ont des conditions peut-être de stockage du cannabis qui sont pas très peut-être pas très hygiéniques ou pas très ceci, pas très cela. Donc enfin, c'est-à-dire que la perception qu'on a de ce cannabis qui est produit dans le RIF, c'est un peu comme si c'est ce qu'on appelle le shit, quoi. C'est de la merde. Or, si on prend un patient qui a des douleurs liées à la sclérose en plaques et qui est dans un pays où, en fait, les autorités ne lui permettent pas de se soigner avec, ben il va le prendre, ce shit. Il va le prendre parce que ça le soulage. Et peut-être qu'en cachette, il va en parler à son médecin. Il va lui dire, ben, en fait, je me sens mieux parce que ben, j'ai pris du cannabis. Donc voilà. Et donc les interactions qu'il y a entre les différents marchés, elles existent aujourd'hui. En France, la plupart des patients, même s'il y a une expérimentation, cette expérimentation, on n'a même pas encore atteint les 3000 patients en France. C'est cette expérimentation qui se réalise sur 2 années là, qu'on fait avec l'usage thérapeutique du cannabis. La plupart prennent du cannabis dans le marché illégal ou plantent quelques plants chez eux de façon tout à fait Très bien, merci Kenza. Professeur Tafir, dernière réaction de votre part? Non, dernière réaction, encore une fois, c'est important, encore une fois, de rappeler. Quelqu'un qui a une douleur ou qui a une spasticité musculaire ne va pas prendre du THC à 30%. Il faut faire très attention, parce que je sais que mon ami Kenza est brillantissime par rapport à cette problématique, mais comme moi, je prends toujours le temps de bien expliquer, c'est mon biais professionnel, je suis vraiment désolé, mais je suis très pointu, je suis très obsessionnel, c'est comme ça, la vie est ainsi faite, personne n'est parfait, mais on ne peut pas dire aux gens d'aller fumer du shit parce qu'on a une sclérose en plaques. Le shit marocain, c'est extrêmement concentré en THC. Et techniquement, lorsque vous prenez cette plante et vous la fabriquez, parce qu'on n'oublie pas que quand on parle de la sclérose en plaques, quand on parle de la spasticité, c'est du CBD, c'est pas le THC. Et alors, vous avez des produits où vous avez beaucoup de THC et un petit peu de CBD dans certaines molécules. Vous avez des produits où c'est le contraire. Vous avez des produits où c'est synthétique. C'est pur THC et pur CBD.
Or, le pur CBD, mais qui n'est pas synthétique, ne peut pas être produit avec zéro THC, toujours flanqué d'un peu de THC. C'est extrêmement compliqué de l'extraire de la plante et de l'utiliser pour des raisons pharmacologiques, pour le simple fait que techniquement, c'est embêtant. Donc, il y a des plantes qui se vendent ailleurs, des graines qui se vendent ailleurs, c'est beaucoup plus simple. Mais quelqu'un qui fume c'est pour ça que je rejoins tout à l'heure ce que vous disiez, Tasnim, c'est qu'il faut, il faut aujourd'hui bâtir autour de cette problématique, clarifier les concepts, essayer d'expliquer. C'est pour ça que l'agence de communication, l'agence de cannabis doit communiquer, doit expliquer aux gens, et à partir de là, bâtir autour de ce projet, autour de ce modèle, et inclure tous les intervenants, y compris les médecins, y compris l'usager, les patients, y compris la société civile, y compris les fermiers, y compris tout le monde, en fait, parce que c'est une question qui est transversale, y compris aussi les sécuritaires, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre, je vous le dis tout de suite, et qui vont peut-être embêter l'agence du cannabis dans son travail. Donc, il y a un ensemble de choses, mais il y a beaucoup de points d'interrogation, et franchement, si personne ne me dit aujourd'hui comment les choses vont évoluer, bah, chapeau. J'aimerais juste réagir, si vous le permettez. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui est très intéressant avec le milieu du cannabis, c'est que nous assistons à beaucoup de médecins. Par exemple, si on prend la situation en France, et je travaille avec ces médecins-là, et des médecins à la fois qui connaissent très bien le cannabis, le produit, sa problématique, etc., et des médecins qui ne connaissent pas, qui n'ont pas été sensibilisés, etc. Et on peut prendre, par exemple, une thèse qui a été réalisée justement sur les représentations que se font les médecins à la fois du cannabis, de l'alcool et du tabac, et qui vont faire l'apologie du vin, contrairement au cannabis, etc., etc. Et en fait, ce qui est très intéressant et ce qui se passe, c'est que c'est la valeur en fait des savoirs expérientiels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médecins aussi qui ne sont pas sensibilisés à la question. C'est pour ça que j'ai parlé... mon camarade, je laisse tout faire, de ce patient qui... J'ai pris cet exemple-là parce que c'est un exemple justement qui m'a été restitué dans le cadre de terrain, de patients en fait qui il n'y a aucune thérapie qui a fonctionné et qui par eux-mêmes font... Je suis juste en train de parler d'une réalité qui existe. Par eux-mêmes vont prendre l'initiative parce qu'ils ont fait des lectures, parce qu'ils ont fait une rencontre, parce qu'ils ont fait d'essayer quelque chose et ça marche. Après, là, je ne parle pas, je ne suis pas en train de dire que ça a été, qu'il y a eu une étude clinique qui a été réalisée. Je parle d'un savoir expérientiel qui est restitué à un médecin qui lui dit, mais comment ça se fait que vous avez moins mal? Je vous ai donné ça, pendant 10 ans, ça n'a pas marché. Et là, ça marche. Ben, en fait, je parlais de la valeur de ces savoirs expérientiels. Excusez-moi, très rapidement, hein, vraiment, je suis désolé. Non, mais j'entends, sauf que le problème, c'est que je fais partie du comité cannabis de l'OMS. On a fait un travail il y a quelques temps qui est sorti, vous pouvez le voir sur le site de l'OMS. Justement, c'est pour ça que quand on est sur la place publique et qu'il y a des gens qui nous écoutent, le discours est très différent que quand on est dans un bureau et qu'on se dit effectivement quelqu'un a utilisé quelque chose et que ça marche. Il faut savoir que le traitement, la thérapeutique en médecine se base sur l'évidence scientifique. Donc, on ne traite pas les gens mais de façon empirique, on les traite sur la base de l'évidence scientifique. Or, au jour d'aujourd'hui, le CBD est excellent dans certains cas, dans certaines indications, mais ce n'est pas la panacée, encore une fois, je le dis, je le répète, scientifiquement parlant. Alors, il y a une mode extraordinaire, il y a des choses extraordinaires, on vend beaucoup d'attentes, on vend beaucoup de rêves pour les gens, malheureusement, qui sont dans une situation de vulnérabilité. Mais à ces gens-là, on leur dit attention, on parle de cannabinoïdes particuliers, spécifiques, prescrits de façon particulière. Mais on ne parle pas du joint avec de la résine à 30% de THC. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est très important qu'on puisse peser nos mots parce qu'on est justement enregistré et qu'il y a beaucoup d'adolescents qui vont certainement... en mettant cannabis, YouTube va sortir et qu'ils vont se dire ah, finalement, ben, juin, c'est super. Merci, professeur. Merci à vous, infiniment à vous tous. C'est bien évidemment un sujet qui est extrêmement complexe. On peut encore en discuter longtemps. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on continuera la discussion. Donc, juste avant de conclure, je passe la parole à mon collègue Marc pour synthétiser les points essentiels qui ont été dits dans cette discussion. Marc.
Thank you, Tasnim. Very briefly, and I hope I can do justice to the discussion. It was a very interesting and very complex discussion. My takeaways are that, which to me were revelatory to a large extent, were that in its current formation and presentation, what we're talking about is actually a rather small and saturated market. And that this has to be considered against the current situation where we're waiting to see how the Moroccan government is going to actually implement the law through the setting up of the agency that will regulate this market and various other milestones that were envisaged by the law, which have not been implemented yet. So that is yet to be seen. On the plus side, obviously, there are everyone recognizes that there's still significant potential. Among them, the promotion of scientific work and investment in R&D, and also the fact that this is ultimately a first step. A rather difficult as first steps are, and therefore one has to be patient, including in respect to the setting up of the agency and the other milestones that were mentioned. Obviously, there was clarification on what Morocco is doing with this legislation. Staying away from the notion of legalization, certainly not legalization or regularization for that matter for personal consumption, but keeping it on the tracks of production for medical and industrial use. I would like to perhaps conclude the final note on one of the points that Khaled made in respect to him auguring basically that as the implementation starts being ramped up, there will be a broad consultation, including all stakeholders. From our perspective, having been involved in maybe not regularizations process such as these, but in other events that bring sort of law enforcement, government, and civil society together, I think it makes sense for us also to join in with that comment, as in various different fields, broad consultation is usually a prelude for a more robust and sustainable implementation of, in this case, a very seminal legislation that can have serious impact for the positive on various communities. The final point, which comes from our perspective, I would say, and which also emerged from the discussion, and which raises some challenges, I would say, which is this idea that this anticipation, basically, based on the discussion, that illegal production is anticipated to coexist for a significant amount of time with legal production. I think that in itself is going to pose some challenges for law enforcement. It's going to make law enforcement even more difficult. And that is something that also should be on the table for discussion and possibly for broad and wide consultation. That's it from my end. I hope everyone enjoyed the discussion as much as I did. We should follow this up perhaps as things start ramping up in Morocco with further debate and even analysis on the subject. In the meantime, thank you very much for attending. Should you have any further questions, please
feel free to contact us, and we'll be happy to keep engaging even after this event. Finally, and most importantly, thank you very much for the panel, for your contributions. Very interesting panel discussion. And I hope we'll see you again next time. Thank you. Merci. And thank you, Tasneem.